beginning, Luke. Have you ever thought of taking part in a reality show? Avez-vous déjà pensé à prendre part dans un show de TV? Avez-vous pensez-vous être capable de surpasser les pièges? De dépasser aussi les monstres génétiquement modifiés? De répondre à cette audience qui a besoin de sang? De trouver le chemin de ceux qui ont réussi à battre ce reality show. Et de récupérer l'argent de tous les abonnés, parce que c'est ça l'expression. Ce sera peut-être ta seule et unique chance pour réussir à battre le reality show appelé Killing Room. Reality show, c'est quoi en français déjà? Je sais pas. La télé-réalité? Ouais. Ouais. Bon. Eh ben voilà, chers amis. Donc la nouvelle série qui prend part après... Quantum Break, ce sera donc Killing Room. En tout cas, on va faire quelques vidéos dessus. On va faire le tutoriel ensemble, je pense, déjà, pour commencer. Ce serait pas mal. Donc qu'est-ce que ce jeu? Ce jeu est un roguelike en FPS. C'est-à-dire qu'on va devoir battre plusieurs salles, en plus, au fur et à mesure, générées normalement de manière procédurale. Vous voyez? Oula, la sensibilité de la souris est beaucoup trop grande. Non, commande. Hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Battre donc ce reality show en allant de pièce en pièce, avec certaines armes, certaines capacités, certaines choses, etc., etc., etc. Toutes les choses que nous pouvons récupérer au fur et à mesure du jeu, tous les objets ou tout ce qui va avec. Et si nous mourons, nous reprenons à zéro, tout simplement, voilà. Donc roguelike, donc l'aspect roguelike c'est ça. Le FPS ce sera tout simplement en vue à la première personne, comme vous pouvez le voir ici, donc avec des armes pour nous défendre. Donc voilà, vous allez voir après la teneur du jeu, entre guillemets, si je puis dire, vis-à-vis de tout ce qu'il a à donner. Vous allez voir que c'est rigolo, ce jeu coûte moins de 10€ sur... donne-moi tes seins comme ça. Bon, attends, je vais te prendre par l'épaule, ça va être mieux. Hop. Vous allez voir que ce jeu coûte pas très cher et pourtant il est vraiment, vraiment pas mal. J'ai vu une vidéo dessus et j'ai kiffé. Salut Lily. It's just the burning flesh of the previous contestants from the second floor. Please go to the elevator which will take you to the training floor. Call me if you survive. D'accord, compte sur moi. T'as des choses à grappes sur ton. Ouais. Bon, pas grave. Je peux rien grappe du tout, tant pis. Ok, on y va. Donc là c'est le tutoriel, chers amis, on va le faire ensemble. On pouvait voir comment le mapping des touches, hein. Il faut survivre aux 8 étages remplis d'ennemis et de pièges pour finir Killing Room. Donc il y a 8 étages seulement, il y a le dangeromètre. Niveau généré 6%, ce niveau est trivial. On verra bien. Appuyez sur une touche, ok. Ouvrez la porte. Hello there! Merci. Ah! Ok. Donc on a un lockpick pour ouvrir ça. Hop. D'accord, il bouge tout seul. La vache. Hop. Bah c'est pas si simple, figurez-vous. Ok. Et on a, vous voyez en haut à gauche, un espèce de plus 40 bizarre. Donc en plus des munitions, une espèce de griffe en bas à droite et... Je dirais un état de santé d'endurance en bas au-dessus des munitions. On a en haut à gauche un espèce de plus-o-metteur, hein, qui en fait répond à comment l'audience accepte ce que je fais. Putain, il y a un mec là. Hop, d'accord. Et là, c'est... Ah d'accord, c'est coup de pied. Boum. Hop, voilà. Donc vous voyez déjà, le jeu commence à montrer des choses qui sont vraiment sympas à faire. Oh, oh, oh. Même couper les lumières dans les pièces. Hop, donc là c'est de la ligne droite. Ok. Je sais pas si ça va durer bien longtemps, donc je préfère me dépêcher, ok. Hop.
Hop. Donc là, je peux monter normalement. Hop. Ah. Hop. Voilà. Donc on a réussi. Ok. Aïe. Voilà. Le piège est ouvert. N'oublie pas d'ouvrir les frigos. Ils ont souvent du butin utile. Apparemment, la bouffe est pire que les monstres ici. Reçoit une veste. Ok. Oh. Et voilà les fameux items d'amélioration qu'on peut trouver. Le loot, tout simplement. Contestant, donc participant. Passe de participant, plus 1% en coût, plus 1% en précision, plus 1% en munitions, plus 1% de dégâts permanents. Les objets permanents comme celui-ci sont spécifiques, ils ne disparaissent jamais de l'inventaire même si tu meurs. Voilà. Donc tu les reçois quand tu atteins certaines bornes et ils sont très puissants. D'accord. Appuie sur tab pour afficher l'écran personnage et l'inventaire pour voir les attributs des objets. D'accord. Donc vous voyez la popularité, elle est de 28 points, donc je suis un défendeur. Donc je défends l'audience, littéralement. On a notre inventaire ici avec notre objet. On a une espèce de crâne bizarre ici. Apparemment, je suis Randy, Monsieur Meur, Mancini. Ok. Terminé notre niveau d'entraînement. Après, l'instant attend de survivre à Killing Room. D'accord, bon. Ok, on y va. Oula, difficulté générée 20%, ce niveau est facile. Ça a quand même augmenté. Par contre, le dangeromètre, il aurait pu monter aussi un petit peu. Ok, donc là, on rentre dans un niveau directement. Ok. Donc, normalement, tout ça est généré de manière aléatoire. Hein. Hop. Je préfère prendre mon arme de base. Est-ce que ça m'affiche quelque chose pour l'arme ou pas? Non, pas du tout. Ok. On y va. Hop, allons-y. Recharge, d'accord, il recharge pas automatiquement. Allez. Ah putain. J'aurais dû prendre l'arme. Vous êtes quoi? Oh la vache. D'accord. À niveau précision, il est pas top, hein. Ah putain, il est pas mort. Ah, j'avais un truc explosé. Ah, faut vraiment... Comment j'aurais pu savoir? Comment j'aurais pu savoir? Putain, c'est le premier truc et je suis déjà à moitié mort. J'ai pas fait de couverture ni... Hop. Hop. Ah la vache. Non, j'ai pas perdu mon... Oh, j'ai plus de crochet. Mais qu'est-ce que je suis naze. Moins 12% de popularité pour une... Oh bah non. Non, la popularité c'est important, chers amis. Est-ce que je peux péter le truc? Non, c'était un peu trop beau. Ok. Bon, bon, on y va. On a deux doigts de crever, ça l'a dit, hein. Je sens que cette partie va pas être très longue. Hop. Rien au sol. Ok, c'est bon. Alors, va vraiment falloir qu'on utilise l'environnement. Alors, plus 40% health, moins 20% popularité. Eh bah, écoute, on y va. Hop. J'aurais peut-être dû ouvrir le truc d'abord. Et je devrais plus jouer avec mon arme. Ça, c'est un téléporteur, je le sais. Hein. Il y avait un truc explosif au milieu. C'est la même arme, on est d'accord. Ok, tant pis. Ici, je peux pas récupérer la santé parce que j'ai pas de crochet. Ok, bon, bah ça va être compliqué cette histoire. Hein. C'est mal parti dès le départ. Ok, bon, bah la suite, alors vu que c'est un cul-de-sac. Hop. On va pas hésiter à prendre. Oh là! Je regarde au sol quand même. Hop. Voilà. Il y avait un explosif ici, un pied. Reçois Goliath. Plus 5% en coup, écrase les ennemis en un seul coup. D'accord, mais j'ai une touche de corps à corps. J'ai une touche de corps à corps. J'ai pas fait attention. Salle de relaxation, sprint, s'accroupir. Non, j'ai pas de corps à corps. Ok. Donc niveau objet, je pourrais sans doute pas ouvrir le truc là-bas.
principe. Je regarde s'il n'y a pas des objets dedans, mais apparemment non. Qu'est-ce que c'est que ça? Prends, tais-toi et prends mon argent. Donc moins 20% popularité. Non, enfin moins 20 points. Non, pas la peine. Pas besoin d'argent pour le moment, je pense. Hein. On est au tout début du jeu, c'est le premier run. Je pense pas que l'argent soit une nécessité. Apparemment, il y a quelqu'un qui veut ma peau derrière la porte là-bas. Oula. Apparemment j'ai récupéré de la santé aussi. Oula. Comment je vais faire ça? Coup de pied. Boum. Boum. Y'a pas eu d'explosion en chaîne. Ok. Bon. Y'a un coffre. En tout cas un frigo. Oh, des crochets. Cool. Un crochet surtout. Il va falloir faire attention au bouton de ma manette. De ma console, enfin de ma souris, exactement. Verrouillé. Oh la vache, fireball. C'est quoi ce robot en plein milieu? Monster kill. Monster kill. Oh la vache, je peux pas tirer. Ah, j'espère que j'ai pas. J'espère que j'ai pas fait le con en tirant dessus près du. Acheter pour 600$ des munitions, non. 100$, un truc inconnu. Je sais même pas combien j'ai sur moi. Combien j'ai sur moi? 500$, d'accord. Kit de soins. Ce jeu est pute. Ce jeu va être tellement rigolo. Bon, on va prendre un truc mystère. Nouvel objet. Tu as pris une nouvelle superposition pour tes armes, d'accord. Weapon Kamasutra. Kamasutra. C'est un emplacement d'armes supplémentaire. Cool. Ça peut être pratique. Ça peut être pratique. Le problème, c'est que j'ai plus suffisamment de thunes pour le reste. 700. Reçois la clé. Ah, bah j'ai pu la récupérer comme je voulais. Tiens, c'est cool. Ce truc-là, il est dur. Moyen. On va essayer. Ah, bah c'est pas la peine. Non, non, je vais en sortir, moi. C'est pas la peine. Là, il est beaucoup trop dur. Take my money! Non, c'est pas la peine. Attention au piège au sol, Marcus. Je sais que tu peux y penser le moment venu. T'es mort! Voilà, sans bouger. Moins 20% de popularité. Non, j'ai à peine 20, c'est pas la peine. Ok. Suicide boost. Ah non, d'accord, ça m'enlève 20% de vie, je pense, un truc comme ça. Pour regagner de la mythe, enfin de la commande là. Ah, cercueil facile, là je veux bien. Wouh. Hop, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ah, quand j'ouvre, dérange jamais les morts, d'accord, ok. Retrousse de soins, on reçoit 150$. D'accord, donc les cercueils, c'est pas. C'est pas conseillé de les ouvrir, si je puis dire. Ok. Bon, on a rien d'autre. Dis, je suis con. D'accord. Non, 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 je vais pas le dire. Je le dis souvent déjà, mais je vais pas le redire là. Hop, la suite. Par contre, le niveau munitions, je vais être un petit peu short. Exit. Ah, boss room. Putain. On a peut-être pas assez de PV. Alors. Ouh. La musique. Alors, dites-moi si le son est bon au niveau du jeu, chers amis. Normalement, il est bon, hein. Oh, je sais ce que tu vas faire. Oh la vache! Ce monsieur est pas content. Ce monsieur n'est pas content. Il souhaite être remboursé. Je l'ai remboursé. Peut-être des packs de santé. Ah, attendez. Peut-être des packs de santé dans le coin. Hop. Oui. Trousse de soins.
Plus 2 à 3 magazines. D'accord. Ah oui, magazine, donc chargeur. Pour 12 de popularité, non, c'est pas la peine. C'est quoi ça? Mort mais vif, ça il détient des propriétés naturelles. Tu as un réticule de visée. Ouh! Il est permanent, j'ai pas vu. Il est permanent, c'est cool. Donc du coup, ça fait que j'ai un réticule de visée, vous voyez, au niveau de l'écran. Juste pour voir le gun. D'accord, oui, je comprends que ça parte un peu n'importe où avec ce gun. Ok, bon bah la suite alors. Ouvre la porte. Ah, un ascenseur. Cadeau du public. Ah oui. Si j'ai une popularité suffisamment grande, je peux vous faire voter. Mais bon, le problème c'est que je crois pas que ça marche à distance, si je puis dire. Donc bon, c'est un peu dommage. Argent trouvé 300, popularité gagnée perdue moins 17, objet trouvé chaque objet 3 sur 3, quantité de points faibles touchés 0, tir et touche 64%, il y avait des points faibles apparemment. J'ai 2 points à mettre, est-ce que ça c'est... Oui ça doit être... Boutique, ton niveau de santé actuel. Oh d'accord, grosso modo en fait je peux mettre plus de points de santé. Bah je prends. Ici. Ah non, c'était les crochets que j'aurais dû mettre. En fait, c'est ça. En fait, à chaque fois que je vais prendre de la santé, je vais prendre 50%. Mais ça vaut pas le coup. Santé max, je vais en mettre 1. Défense, je vais en mettre 1. Ici, munitions, armes. Alors, précision, ça peut être pratique. À prendre les dégâts critiques, ça va être mieux. Hop, la suite. Étage 208, 2 sur 8, pardon, morgue. Facile. Bon, bah ça va. Allez, on y va. Ah personne. Bon. Je pense qu'on va essayer de faire deux étages par épisode, chers amis. Ça aurait pu être moins radin au niveau des objets aussi pour la première porte. Ok. Oh là là. Oh là là. Aïe. Oh, je vais mourir. Oh, c'est quoi cette pièce? J'ai plus de balles. Ils ont un avantage certain, ils peuvent marcher sur les trucs, enfin voler sur les trucs. Oh t'es sérieux? Ah putain, j'ai oublié de recharger. Je vais refaire un tour. Bon, je préfère me faire 2% de dégâts que d'en prendre 7. Hein. Ah putain! Non, je suis mort! Faut pas que je me rende dans les meubles. Oh, c'est dur! Non! Hop! Fou, c'est serré du cul. Je suis donc mourant. Je n'ai plus de munitions sur mon arme automatique. Et voilà ce qui m'a gêné plus d'une fois. Oh, je peux pas ouvrir un cercueil moyen, j'ai pas encore les capacités de l'ouvrir, je suis pas assez bon pour ça. Ok. Oh merde. Y a-t-il un explosif pas loin? Y a-t-il un deuxième explosif pas loin? Voilà! Ça c'est fait! Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait! On est bon quand même, hein. Parfois. Je dis bien parfois. Est-ce que je peux désamorcer les pièges? Non. Non, non. Ça aurait pu être pratique pour faire de l'XP ou gagner des trucs, je sais pas. Même si je pense que, en vrai, désamorcer le piège m'aurait fait perdre des points de popularité parce que c'était un peu moins cool. J'avais moins de risques de me prendre. Donc on était dans une morgue là. Enfin là on est dans une morgue. Je pense qu'on est dans un hôpital psychiatrique, honnêtement, dans ce niveau. Facile. Bon, je préfère le prendre pour 5 points de popularité en moins.
Hop. Faites pas chier. Faites pas chier, vous dis-je. J'ai besoin de santé. De d'autres crever. Non, j'aurais préféré une arme. Faut pas se voiler la face. Qu'est-ce que c'est que ces monstres? Hop. Bon bah c'était pas si dur à battre hein. J'imagine que s'ils se déplaçaient et qu'enfin non, j'imagine que quand ils se déplaceront, ce sera beaucoup plus dur. Ok. Il y a beaucoup de pièges dans toutes les pièces, mais ces pièces-là sont pas très... pas très sympa niveau quantité d'objets. Justement, un coffre. Un gilet. Ok. 40% de santé pour moins 20 de popularité. Non, non, ça m'intéresse pas là. Surtout que j'ai loupé une pièce là-bas. C'est pas celle-là, c'était celle d'avant. Hop. Voilà, on va bien voir hein. Ça se trouve c'est une bêtise. Hop. Pfiouh. Ah ils sont violents quand même dans ce jeu hein. Je veux pas dire mais... Qu'est-ce que c'est? Oh, double SMG! Oui! Même si j'avais de munitions. Ah putain! En fait, dans les munitions, fallait juste que je sélectionne la bonne arme. Oh, d'accord. Je suis trop con. Bah, allons-y alors. Hop! Bah, marche pas dans le piège, Marcus. Crac. Crac. Alors, où il est le machin que j'ai ouvert? Hop, voilà, et là j'ai obtenu des 20 balles. T'es sérieux? C'est tout? Ah, donc ça marche aussi sur les objets que je récupère, le truc d'avant. Ok. Non, j'aimerais bien récupérer un petit poil de santé. On va passer par la sortie, on va passer par là. Ah putain, mais il y a tellement d'objets au sol! Hop. Wow! Raté. J'en ai eu un. Oh, une grosse boule! Il n'y en a plus qu'un! Apparemment, il n'y a plus beaucoup de PV. Qu'est-ce que c'est? Reçoit les mains élastiques. Normal. Après avoir mangé un fruit étrange, tes membres semblent super élastiques. On peut t'appeler Monkey? Tu peux ramasser les objets de plus loin. D'accord. Lucky me. Ah, la blague. C'est pas Luffy qui s'appelle Monkey ou un truc comme ça, j'imagine. Y a pas d'autres objets dans le coin. Et on a quand même perdu notre... Bon. N'empêche qu'on n'est pas beaucoup apprécié par le public. Mais au moins on survit. Ouh. Sympa, bonjour madame. Elle était plus belle en photo. Je savais pas que j'étais sur un site de rencontre. Oh je suis mort, je sens que je suis mort. Elle a pris zéro dégâts ou c'est moi? Ah, c'est ce que je voulais faire. Aïe. C'est quoi ces PV, qu'est-ce tape? Ah, elle est verrouillée, j'ai essayé. Ah bah je suis mort, voilà. Bon. Eh ben voilà une première mort, chers amis. Alors, le sac à PV, quel est? Alors, soit j'ai un truc que j'ai pas compris, soit... Oh bah, ça se coupe en plus net, hein. Je suis mort, je suis mort. Bon bah, ok.
Eh bien écoutez chers amis, du coup c'est là pour ce premier épisode de Killing Room. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc prêtez les liens dans la barre de la chaîne. Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens. Et yo.